Bien, bonjour à tous. Nous allons ce matin avoir deux exposés pour continuer dans ce colloque Shannon, qui sont sur deux thématiques assez différentes, enfin qui vont nous montrer comment la théorie de Shannon est en prise avec la réalité dans un certain nombre de situations. Donc le premier exposé est donné par Anne Auger, qui est chercheur CNR, INRIA dans l'équipe TAO et qui va nous parler d'optimisation. D'accord, merci. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Donc je vais vous présenter une application de la théorie de l'information au domaine de l'optimisation boîte noire et plus précisément comment la théorie de l'information permet de donner un cadre formel pour la construction d'algorithmes d'optimisation boîte noire qui historiquement sont plus construits à partir d'heuristiques. Les résultats que je présente sont relativement récents, ça date de 2010-2011, cette compréhension qu'on a entre le lien entre théorie de l'information et optimisation boîte noire. Et ça a permis, donc c'est des résultats qui sont surprenants parce qu'ils ont en particulier permis de retrouver certains algorithmes qui ont été introduits avant 2010-2011, et en particulier l'algorithme qui est considéré à l'heure actuelle comme l'algorithme état de l'art, en optimisation boîte noire numérique, qui est l'algorithme CMAES, donc Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategies. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de cet algorithme. Donc on va voir comment la théorie de l'information donne un cadre formel pour, en tout cas, une partie de cet algorithme-là. Donc avant de commencer, je vais mentionner que la plupart des résultats que je présente sont présentés dans ce papier. Donc vous voyez que... Donc Yann Olivier, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le premier auteur et l'auteur principal du papier, c'est lui qui est arrivé avec cette connaissance de la théorie de l'information et qui a permis, en fait, qui nous a expliqué, qui a permis de faire le pont entre théorie de l'information et optimisation boîte noire. Donc le papier, je vais présenter juste une petite partie du papier, le papier c'est un gros papier, je pense qu'il fait presque 70 pages, vous êtes évidemment invités à regarder le papier si vous êtes intéressé et si vous voulez avoir plus de détails. Donc ma présentation elle est structurée en quatre parties. Donc la première partie, je vais parler un petit peu d'optimisation boîte noire, quelles sont les difficultés typiques de l'optimisation boîte noire. Dans une deuxième partie, donc, je vais expliquer comment la théorie de l'information et comment ce cadre théorique de Information Geometric Optimization permet de construire donc, des algorithmes d'optimisation boîte noire. Il y aura une petite partie sur l'invariance, donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour l'optimisation boîte noire, et de toute façon l'invariance c'est quelque chose qui est essentiel en général, et on va voir comment ce cadre Information Geometric Optimization nous donne directement des invariances pour les algorithmes, et ensuite je parlerai comment on retrouve donc des algorithmes connus comme CMAES ou comme d'autres algorithmes dans un contexte d'optimisation discrète, PBIL ou CGA, Compact GA. Donc on va commencer, donc on parle d'optimisation boîte noire, donc en fait c'est de l'optimisation, donc on cherche à optimiser une fonction f qui est définie sur un espace oméga dans R. Donc si oméga, donc dans cette présentation je ne vais pas préciser si on parle d'un espace qui est discret, comme oméga c'est 0, 1 à la puissance n, donc ça serait l'optimisation discrète, ou si oméga c'est un sous-espace de Rn, donc dans ce cas-là on parle d'optimisation continue. Et on va voir en fait que ce cadre théorie d'information permet de construire des algorithmes, enfin unifier optimisation discrète et optimisation numérique, et permet de construire de la même façon des algorithmes sur des espaces discrets ou continus. Donc on parle d'optimisation boîte noire, ça veut dire que en fait la fonction que voit l'algorithme, c'est une boîte noire. Donc la boîte noire, l'algorithme peut lui demander en entrée d'évaluer des points x de oméga, et la boîte noire va lui retourner f de x. Et c'est la seule chose que l'algorithme peut utiliser pour optimiser, donc trouver un minimum ou un maximum de la fonction. En particulier, vous voyez, si on est dans le cadre optimisation continue, on n'a pas de gradient, il n'y a pas de gradient qui ressorte de la fonction. Donc c'est optimisation sans dérivée. Voilà. Et donc si on a de l'information sur la fonction, typiquement, on ne va pas utiliser ça dans l'algorithme. Donc l'algorithme peut simplement utiliser cette boîte noire. Donc il y a beaucoup de problèmes en fait, dans l'industrie qui sont dans ce contexte boîte noire, parce que, dans l'industrie ou dans d'autres domaines, hein, parce que par exemple dans l'industrie souvent,
on doit optimiser des fonctions, on n'a même pas accès au code source, on a juste accès à un exécutable. Donc on doit utiliser des algorithmes qui sont capables d'optimiser la fonction en ne voyant qu'une boîte noire de la fonction. Donc c'est pas parce que l'algorithme ne voit qu'une boîte noire, c'est pas parce que l'algorithme ne voit qu'une boîte noire qu'on n'a pas des difficultés typiques bien identifiées de ce qui peut être dans cette boîte noire. Et donc c'est ça que je veux expliquer dans les transparents qui viennent. Donc quelles sont les difficultés typiques qu'on rencontre couramment quand on optimise des problèmes réels qui font que qui rendent l'optimisation difficile. Donc l'algorithme ne saura pas a priori quelle difficulté il a, mais il doit être capable d'identifier au cours de l'optimisation quelles sont ses difficultés et de les traiter en ayant des mécanismes internes pour les traiter. Alors typiquement, donc, quelles sont ces difficultés? Donc la fonction qu'on cherche à optimiser, elle peut être non linéaire, non convexe, non quadratique. Donc si on a des fonctions convexes ou linéaires, il y a des méthodes qui ne sont pas celles dont je parle aujourd'hui, qui vont permettre de les optimiser efficacement. Et ici, vous avez une image d'une fonction unidimensionnelle qui est non convexe. On va voir dans quelques instants pourquoi les méthodes dont je parle aujourd'hui sont peu sensibles à la convexité. Il y a ensuite des difficultés qui sont liées au fait que les fonctions sont non séparables, donc c'est-à-dire on ne peut pas optimiser les fonctions coordonnées par coordonnées, on a des corrélations entre les variables. Donc typiquement, les problèmes difficiles qu'on nous demande d'optimiser, ils sont pas séparables. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de problèmes séparables, mais si, typiquement, s'il y a des problèmes séparables, ils sont optimisés suffisamment facilement pour que on ne nous demande pas d'optimiser ce type de problème. Une troisième difficulté, c'est lié au conditionnement de la fonction. Donc, un problème va être mal conditionné. Donc ici, vous avez les lignes de niveau en deux dimensions d'une fonction convexe quadratique. Les lignes de niveau sont ces ellipses. Et le conditionnement, qui va être le conditionnement de la matrice hessienne, correspond en fait au rapport entre le grand axe et le petit axe de l'ellipse. Donc ici, c'est un problème qui est très bien conditionné. On a un rapport de 3 entre cet axe et cet axe-là, mais on rencontre couramment des conditionnements de l'ordre ici on a 3, on rencontre des choses où on a 10 puissance 5, c'est-à-dire que pour optimiser pour augmenter la fonction de la même quantité dans cette direction-là ou dans cette direction-là, il faut faire ici un pas de l'ordre de 1, ici un pas de l'ordre de 10 puissance 5. Donc on comprend que sur ce type de problème, on a besoin d'algorithmes qui sont capables d'apprendre la métrique sous-jacente et d'apprendre quels sont les bons axes et les bonnes échelles dans les différents axes. Et enfin, il y a des difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle la rugosité des fonctions. Donc rugosité, c'est un terme qu'on utilise pour regrouper en fait le fait que la fonction elle peut être non différenciable ou non continue mathématiquement. Elle peut être aussi bruitée. Donc ça, c'est une coupe d'une fonction qui est relativement bruitée et qu'on peut résoudre en fait très facilement avec cette méthode CMAES. L'algorithme, si on regarde comment il s'y prend, on n'a pas du tout l'impression que la fonction est très discontinue. Et dans cette rugosité, on parle aussi de toutes les difficultés qui sont liées à la multimodalité. Donc multimodalité, ça veut dire qu'on n'a pas un seul optimum local, mais on a plusieurs optima locaux. Donc ça, c'est les lignes de niveau d'une fonction test typique, où on a un nombre exponentiel d'optima locaux, donc dans chaque trou on a des optima locaux. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi difficile et qui pose des difficultés aux algorithmes d'optimisation. Donc je veux maintenant expliquer, donc étant donné ces difficultés, quels sont les mécanismes sous-jacents que les algorithmes état de l'art ont pour faire face à cet ensemble de difficultés. Donc la première chose, c'est relié à cette rugosité, en fait, c'est que les algorithmes, ils ont un aspect, ils sont stochastiques ou aléatoires, donc ils utilisent une partie aléatoire. Et ça donne une robustesse par rapport au bruit ou aux optima locaux, au fait que la fonction est rugueuse. Donc un autre aspect essentiel, c'est l'aspect adaptatif. Donc les algorithmes doivent apprendre au cours de l'optimisation quels sont les bons paramètres. Et juste pour fixer les idées, donc je vais présenter un template
typique d'algorithme, et ça va être essentiel pour la suite. Donc, on peut décrire de manière générale un algorithme adaptatif stochastique en boîte noire de la façon suivante. Donc, on a un état, θt. Donc, dans θt, c'est toutes les variables d'état de l'algorithme. Donc, ça peut être, par exemple, si on... Donc, on a une variable d'état et on a une distribution avec laquelle on va faire un échantillonnage. Donc, si on a une distribution ici, c'est une distribution gaussienne. Donc, on voit ici les lignes d'isodensité. Donc, paramétrisées par vecteur moyenne et matrice de covariance qui donnent la forme. Donc, les paramètres d'état, ça peut être vecteur moyenne et matrice de covariance. Ça peut être aussi d'autres variables qui aident à l'adaptation de ces paramètres-là. Donc, étant donné cet état, la première étape, c'est d'échantillonner des points de l'espace de recherche à partir de l'état et à partir d'aléas qui sont dans ce vecteur UT plus 1. Ensuite, on veut optimiser la fonction qui est donnée par cette boîte noire. Donc, on évalue les solutions sur cette boîte noire. Et enfin, on adapte l'état θt de l'algorithme à partir... Donc, on a une fonction grand F qui nous permet d'adapter à partir de l'état courant et de ce qu'on a vu de la fonction, enfin des solutions et de ce qu'on a vu de la fonction. Et ce qu'on va voir dans la suite, c'est comment la théorie de l'information nous permet de construire cette fonction F ici. Un autre aspect essentiel des méthodes, c'est l'aspect invariance. Pardon. Oui. Ici, donc, θ t plus 1, on fait dépendre seulement de θ t, pas de l'histoire. Oui, pas de l'histoire. Est-ce que c'est juste un jeu d'écriture au sens où si on voulait, on pourrait toujours augmenter l'espace des paramètres pour inclure une histoire précédente? Oui. Souvent, en fait, voilà. Ce que je dis, c'est que l'espace des paramètres, c'est souvent plus complexe que ici, juste moyenne et covariance. Et on a des vecteurs qui prennent en compte l'histoire, en fait. Il y a aussi des algorithmes qui ont une archive complète, mais typiquement en optimisation numérique, ce n'est pas ça qui marche, qui est le plus efficace. Donc je continue, l'aspect invariance, c'est quelque chose qui est important. Donc invariance, par exemple, on veut que les algorithmes soient invariants par translation, donc qu'ils soient capables d'optimiser cette fonction là, ou celle-là qui est la même où on a translaté l'optimum, qui est ici au niveau du drapeau. Ça, c'est pour l'invariance par translation, l'invariance par changement d'échelle, ou l'invariance par transformation affine aussi. Donc ça, c'est une propriété essentielle en optimisation numérique. Donc juste une petite... Enfin, pourquoi est-ce que c'est important l'invariance? Donc je vais utiliser une phrase, c'est Nicole Hanson qui a développé cette algorithme. CMA aime bien motiver l'invariance par cette phrase d'Einstein. Donc, the grand aim of all science is to cover the greatest number of empirical facts by logical deduction from the smallest number of hypotheses or axioms. Et clairement, l'invariance, parce que ça nous permet de généraliser des résultats qu'on observe sur une fonction à toute une classe de fonctions qui est générée par cet invariant, permet de ça permet de généraliser, donc c'est quelque chose qui est bien reflété par cette citation là. Donc il y a un invariant qui est pas très connu en dehors peut-être de l'optimisation boîte noire que j'ai pas cité jusqu'à maintenant, qui est l'invariant par transformation monotone croissante. Et vous allez voir que c'est facile de mettre ça dans l'algorithme. Donc j'ai présenté ce template où on avait cette variable d'état, cet échantillonnage, et j'ai dit on évalue la boîte noire et on fait une mise à jour. Mais en fait, les algorithmes, ils n'utilisent pas la mise à jour, ils n'utilisent pas les valeurs de la fonction pour la mise à jour, mais ils utilisent tellement simplement le rang observé des fonctions, le rang observé des solutions. Donc, typiquement, on a ces solutions, on a lambda solution, on les évalue sur la boîte noire, on fait un classement solution par rapport à la fonction f, et on extrait la permutation qui nous donne le rang, enfin le classement des solutions. Donc typiquement un algorithme comme ça, ça va s'appeler un algorithme à base de comparaison, comparison based. Et dans la mise à jour, on va simplement utiliser l'information qui est donnée par le rang et pas explicitement f. Donc en fait c'est des algorithmes qui sont sans dérivés, mais on peut même dire que c'est des algorithmes qui sont en anglais, on dit function value free, parce qu'on n'utilise pas exactement la valeur de la fonction, mais simplement l'information donnée par le rang. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que maintenant, si je considère
que j'optimise une fonction f, ou si je considère que j'optimise g rond f, où g c'est une transformation strictement croissante. Évidemment, j'ai le même classement de mes solutions sur f ou sur g rond f. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de fonction? Donc ici, on a la fonction x carré, qui est une fonction convexe quadratique. Et là, j'ai juste pris des fonctions g qui sont strictement croissantes, qui transforment donc ma fonction, mais qui vont préserver le classement. Et donc tous ces algorithmes à base de comparaison, ils vont optimiser de la même façon, à la même vitesse, cette fonction-là ou cette fonction-là. Donc c'est pour ça, donc cette invariance par transformation monotone croissante, c'est important et c'est présent dans ces algorithmes état de l'art, en particulier cet algorithme CMAES, et ça donne une robustesse et ça explique aussi pourquoi l'aspect convexe n'est pas essentiel pour les méthodes, parce qu'ici on est non convexe. Voilà, donc ça c'est... Oui. Pour optimiser la même vitesse, c'est-à-dire donc que l'algorithme doit dépendre seulement du classement et pas des valeurs elles-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que... Ici, c'est ce qu'on met à travers... Ça dépend du classement à travers cette permutation. Et ici, dans la mise à jour, on n'utilise pas F, on n'utilise que cette permutation. Donc on optimise ces trois fonctions de la même façon. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on peut faire cette mise à jour et comment la théorie de l'information permet de donner un cadre formel pour faire cette mise à jour de l'état d'état T. Donc c'est la deuxième partie. Donc le cadre mathématique, donc on suppose qu'on a une famille de distributions de probabilité, Pθ, petit θ dans grand θ. On suppose que c'est un paramètre continu, un vecteur continu. Donc par exemple, sur Rn, avec cet exemple de la famille de distribution gaussienne, θ, ça peut être vecteur moyenne et matrice de covariance. Donc Pθ, c'est l'ensemble des P avec l'ensemble des vecteurs moyennes possibles et l'ensemble des matrices de covariance possibles. Donc la première idée, c'est de changer de point de vue. En fait, on a un problème d'optimisation sur oméga, donc on veut minimiser f de x pour x dans oméga. On change de point de vue, on va définir un nouveau critère qui est cette fois-ci sur θ, l'espace où vivent les paramètres de la famille de probabilité de distribution. Donc on peut penser, c'est assez naturel de se dire, ok, mais je vais prendre pour fonction sur grand θ l'intégrale de f par rapport à pθ, donc intégrale de f de x, pθ de x. Et clairement, si on cherche à minimiser cette fonction grand f, pour minimiser, il va falloir trouver des θ qui vont se concentrer sur les minima de f. Donc clairement, minimiser f, c'est minimiser grand f, c'est minimiser petit f, au sens où ça va être trouver un Dirac delta concentré sur les minima de f. Donc si on minimise grand f, on a minimisé petit f. Donc ça a été proposé par plusieurs personnes à différents moments. Mais oui, ils ont fait autre chose que juste, oui, proposer ça, sinon oui, bien sûr, ça a été proposé et ils ont fait utiliser aussi dans ce papier en particulier, ils ont introduit cette idée de gradient naturel et utiliser la théorie d'information pour minimiser ce critère. Ok, donc si on fait ça, le problème c'est que on préserve pas cette invariance par les transformations croissantes, donc que j'ai motivées précédemment. Donc ça c'est pas exactement ce qu'on veut faire. En particulier, donc en faisant ça, on obtient des algorithmes qui ne sont pas forcément stables et robustes. Donc maintenant, je vais définir un nouveau critère qui est invariant par transformation monotone croissante. Donc c'est toujours la même chose, on change de point de vue, on définit un nouveau critère sur θ, et cette fois-ci c'est un critère qui est adaptatif. Donc étant donné θt qui est une valeur du paramètre à l'itération t, on définit cette fonction, donc on intègre aussi par rapport à pθ, et on a une fonction wθt de x qui dépend
donc qui va dépendre simplement des quantiles de la fonction, au sens où ici on a la probabilité, si on échantillonne y par rapport à θ, t, d'avoir f de y plus petit que f de x. Donc on met simplement les comparaisons de f dans le critère. Et ici on a une fonction petit w qui est simplement une fonction de 0,1 à valeur dans r qui est décroissante. Et c'est ce qui va, ça va être relié après dans les algorithmes au poids qu'on met aux solutions qu'on sélectionne. Donc maintenant, donc on voit que c'est un critère adaptatif au sens où si on a un θ t qui est relativement mauvaise estimation de la solution de notre problème, ça va être facile, plus facile d'optimiser jθ, de trouver un nouveau θ qui minimise ce critère, et plus on avance, et plus ça va être difficile, et plus le θ va se concentrer sur les minima de f. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été proposé dans ce papier-là en particulier. Ok, donc une fois qu'on a ce nouveau critère, donc on veut, ici on veut le maximiser, on a changé minimisation en maximisation via ce petit W ici. Donc une fois qu'on a ce critère, quelque chose qui est naturel pour l'optimiser, c'est de prendre le gradient, donc on a θ t, et notre nouvelle estimation de θ t à l'instant θ t plus delta t, c'est θ t plus un step size, un pas delta t, fois le gradient de la fonction. Donc ici, on voit qu'il y a un tilde sur le gradient, et c'est ce qu'on appelle le gradient naturel. Donc c'est un terme qui a été popularisé par Amari, qui est un des pères fondateurs de ce domaine de l'information geometry. Et donc le gradient naturel, en fait, donc c'est là qu'intervient la théorie de l'information. Donc le gradient naturel, c'est le gradient qui est pris par rapport à la métrique de Fisher. Donc la métrique de Fisher, c'est défini à partir de la matrice de Fisher. Donc il y a les formules classiques, en fait, l'élément IJ de la matrice de Fisher, ça satisfait cette formule-là. Et une autre façon de le voir, c'est via la divergence de Kullback-Leiber. Donc ici, si on fait un développement à l'ordre 2 de la divergence de Kullback-Leiber, on retrouve ici la matrice de Fisher. Et donc le gradient naturel avec un tilde, c'est simplement l'inverse de la matrice de Fisher fois le gradient avec les dérivés partiels. Donc pourquoi est-ce que c'est important de prendre ce gradient naturel? Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui ne dépend pas de la paramétrisation de θ que l'on prend. Donc si on prend par exemple sur cette famille de vecteurs gaussiens, vecteurs moyennes, matrice de covariance, ou si on prend vecteur moyenne et le facteur de Cholesky, quand on fait la décomposition de la matrice de covariance, on va avoir ensuite le même gradient, qu'on prenne une paramétrisation ou une autre, et ça, c'est pas du tout vrai si on ne prenait pas ce gradient naturel, et si on prenait simplement le vecteur des dérivés partiels. Donc c'est là qu'intervient la théorie d'information, pour nous dire qu'en fait, il faut regarder, faire une descente de gradient par rapport au gradient naturel. Donc je reprends, donc on en est là, on a notre nouvelle estimation de θ, on fait un pas avec le gradient naturel du nouveau critère qu'on a défini. Donc ça, en fait, il se trouve qu'on peut faire passer le gradient à l'intérieur de l'intégrale, à ce niveau ici. Et ce qu'on voit, c'est que donc là, c'est simplement la réécriture, je réinjecte en fait la définition de la fonction wθt de f. Ce qu'on voit, c'est que tout ça, ça ne dépend pas de gradient f. Hein. On a un gradient par rapport à θ, mais c'est indépendant. Ça ne fait pas intervenir les gradients de la fonction. Voilà. Donc on a fait, on a bougé θ dans la direction du gradient de notre nouveau critère. Donc ça ne nous donne pas encore un algorithme qu'on peut utiliser, en particulier parce qu'on voit qu'on a des intégrales ici, ici et ici. On intègre, et pour calculer exactement ces intégrales, il faudrait connaître f partout. Donc on n'a pas encore un algorithme. L'autre chose que... Voilà, donc on va, à partir de cette équation-là, on va faire deux choses. Donc si on prend delta t qui converge vers 0, on va obtenir
équation différentielle. Et les solutions vont être ce qu'on appelle le, donc IGO Flow. IGO, c'est pour Information Geometric Optimization. Et la deuxième chose, pour obtenir les algorithmes IGO, il va falloir discrétiser cette intégrale ici et l'intégrale ici, qui est cachée ici. Donc ce flow de IGO, c'est simplement, on a pris delta t vers 0, et c'est simplement l'équation différentielle qu'on obtient. Donc maintenant, pour avoir les algorithmes, j'ai dit qu'on dit... La philosophie d'ensemble, parce qu'au début, ce qu'il y a, c'est f qui est défini sur oméga, après, tu as arrivé le paramètre θ, mais on a l'impression que c'est un truc qu'on a introduit nous-mêmes, θ, la statistical manifold. Grand θ, lui, il est dans le problème. On se le donne au départ, en fait. Si on optimise sur Rn, on va se définir une famille de probabilités. On va prendre, par exemple, les distributions gaussiennes. Donc, on se donne le θ, les pθ. Ou si on optimise sur 0 à la puissance n, on peut prendre la famille de mesures de Bernoulli. Donc ça, on se le donne au départ. Le pθ, on se le donne. Donc on se le donne, le pθ. Et maintenant, c'est la question de comment on met à jour les θt. Ok ? Donc maintenant, si on discrétise l'intégrale qu'on avait précédemment, on échantillonne les solutions par rapport à pθt. Et on a cette première partie à approcher. Et donc, c'est là qu'on va faire intervenir les rangs. Donc, on échantillonne les xi, on les évalue sur f et on extrait le rang. Donc, ça, c'est la notation pour dire que c'est le rang de la solution xi. Et on va approcher cette fonction-là par w... du rang des xi, et ça c'est des bonnes normalisations, les bonnes normalisations pour approcher ce qu'il faut. Et l'autre intégrale, on l'approche à travers cette somme ici, et divisée par 1 sur n. Donc au final, on obtient l'algorithme IGO, on échantillonne les points, on les classe à partir de leur valeur de f, et on fait la mise à jour du paramètre à partir de cette formule-là. Et cette fois-ci, on voit que ça, on peut le calculer au sens où on a simplement eu besoin d'évaluer f, de mettre le rang ici de la fonction. Et on a quelque chose qui, a priori, est exploitable si on est capable de calculer ce gradient naturel de log de pθ. Et ça, il s'avère que pour, par exemple, des distributions gaussiennes, c'est quelque chose qui est bien connu. On peut l'écrire. Pour les familles de Bernoulli, c'est aussi quelque chose qu'on peut écrire. Donc si on a une famille de probabilités de distribution où on peut calculer ça, on a ici un algorithme qu'on peut implémenter, un algorithme d'optimisation qu'on peut implémenter. OK ? Donc, un aspect important, c'est de vérifier effectivement que cet estimateur est consistant, au sens où si n tend vers l'infini, est-ce qu'on retrouve l'intégrale qu'on avait, et donc c'est le cas, c'est pas forcément complètement trivial à montrer, mais c'est le cas. Voilà. Donc maintenant, sur les aspects invariants. Donc, par construction, on a l'aspect invariant par transformation monotone croissante, parce qu'on a simplement utilisé l'information qui est donnée par le rang de f dans la construction de notre critère. Donc on va optimiser de la même façon ces trois fonctions. On a aussi l'invariance par paramétrisation de theta parametrization, et ça vient du fait qu'on utilise le gradient naturel, et c'est l'idée principale derrière geometry information. Donc ça veut dire qu'on va avoir le même algorithme. Alors en fait, c'est un peu faux ce que je dis, c'est le IGO flow, c'est pour delta t qui tend vers 0 et n qui tend vers l'infini. Ce flow va être invariant par paramétrisation de notre famille de distribution de probabilité. On a aussi un invariant dans l'espace oméga. Donc si on fait un changement de coordonnées dans oméga, si ce changement de coordonnées préserve la famille de distribution.
Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on a des invariants au niveau de l'algorithme. Et donc, on a, en fait, l'algorithme IGO va être affine invariant si la famille de distribution est invariant par transformation affine. Voilà. Donc, par construction, on a tous ces invariants qui dérivent, tous ces invariants au niveau du flow et de l'algorithme qui tombent, en fait. Oui, c'est ça. Le premier, c'est l'invariance selon θ, c'est parce que... On a construit le critère comme ça. La géométrique a été faite pour... Ah oui, θ, oui, exactement, oui. Oui. Le second, c'est parce que ça prend en jeu que les... Que les comparaisons. Les comparaisons. Oui. OK. Alors, donc, maintenant, ce qui est surprenant, hein, c'est qu'en faisant ça, donc ça, ce que je disais au départ, c'est que finalement, ça date de 2010-2011, cette compréhension. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en faisant ça, on retrouve des algorithmes qui ont été inventés avant, bien avant. Donc, en particulier, cet algorithme que j'ai mentionné plusieurs fois, donc l'algorithme état de l'art en optimisation numérique, donc CMAES, il se trouve que la mise à jour IGO correspond à CMAES. Donc plus précisément, on a vu que pour avoir l'algorithme, on avait le gradient naturel du log de pθ. Donc si on considère la famille de distribution gaussienne paramétrée par M et matrice de covariance, on peut calculer ce gradient naturel, on peut calculer la matrice de Fisher, et on trouve à ce moment-là que l'algorithme correspond à ça. Donc on a vecteur moyenne, matrice de covariance et l'état, et le gradient naturel, ça va être donné par ces équations ici. Donc la mise à jour de la moyenne, c'est simplement, je déplace la nouvelle moyenne, c'est l'ancienne moyenne, plus la somme pondérée des xi moins mt. Et le WI chapeau, en fait, c'est le poids qui est associé à la solution XI et qui dépend que du rang de la solution par rapport à F. Et pour la matrice de covariance, la nouvelle matrice de covariance, c'est l'ensemble de matrices de covariance plus la somme des WI chapeau et fois cette matrice XI moins MT, XI moins MT transposée, moins l'ancienne matrice de covariance. Donc ça, c'est relativement simple, hein. C'est ce qui s'appelle la mise à jour de rang mu pour l'algorithme CMA. Alors, ok, mu, on ne voit pas pourquoi mu en fait, parce que typiquement ici on prend mu poids parmi n positif et les autres on les prend à zéro. Donc c'est pour ça que l'inventeur a parlé de mise à jour de rang mu. Donc c'est quelque chose qui a été proposé en 2003. Sachant que l'algorithme CMA, il y a une première mise à jour de rang 1, qui avait été proposée en 2001, et le papier fondateur de CMA, c'est 2001. Donc ce qui tombe naturellement de ce cadre IGO, c'est le fait que l'algorithme est invariant par transformation affine. Et ce que je dois mentionner, c'est que... Oui. On utilise via le rang, en fait, via WI chapeau. Oui, mais le déplacement XI moins MT. Oui. N'est pas déterminé par les valeurs de l'opposition qui est là trouvée. Non, non. Ça, XI, c'est ceux qui sont échantillonnés de manière indépendante avant d'évaluer. Et donc, la fonction va intervenir à travers ce WI chapeau, qui est un poids qui dépend du rang. Donc la meilleure solution va avoir le plus gros poids, la deuxième, c'est des poids typiquement décroissants. On se les donne ? On se les donne, oui. Il y a plusieurs façons hein, de se les donner. Ça ne change pas énormément, en fait, la façon dont on se les donne. Mais typiquement, on va quand même mettre plus de poids sur la meilleure solution. Et ainsi de suite. Et on peut. Ça dépend que du classement. Voilà. Oui, il dépend que de qui. Oui, que du classement. C'est bon ? Ouais. Ouais, donc pourquoi ouais. Un chapeau, ça représente quelque chose d'empirique, mais il n'y a pas rapport.
Ok, peut-être la notation n'est pas optimalement choisie. Ça découle en fait de cette estimation de cette fonction-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un chapeau. Parce que ici. Ça découle l'estimation. Ouais, c'est une estimation de ça. Alors, l'algo SMA, il est plus complexe que cette mise à jour de rang mu. Donc il y a en particulier une autre mise à jour de rang 1, et il y a en particulier d'autres variables d'état, θ, qui sont des variables d'état pour rendre cette adaptation de la matrice de cohérence plus rapide. Donc typiquement, on va cumuler de l'information, c'était cette idée de tout à l'heure, de cumuler l'information des itérations précédentes, et déduire de l'information pour rendre cette adaptation plus rapide. Et il y a un autre paramètre important qui n'est pas expliqué non plus par ce cadre IGO, qui est il y a aussi un pas qui est adapté. Donc au sens où, ici on a une matrice de covariance, donc évidemment elle va converger vers zéro lorsqu'on va converger, mais on a un facteur en plus, un sigma t, qui est simplement un facteur d'échelle qui va être aider à ce que cette convergence soit plus rapide que simplement via la matrice de covariance. Et ça, c'est dû au fait que matrice de covariance, on a de l'ordre de n carré paramètres à adapter. Et l'adaptation du step size peut être plus rapide que quelque chose qui va scaler en n carré. Donc voilà, donc IGO explique une partie de l'algorithme, mais pas tout. Il y a d'autres composantes qui sont importantes en pratique, qui ne sont pas encore expliquées. Qui ne sont pas expliqués via IGO et qui ne sont pas forcément encore complètement expliqués théoriquement. Et est-ce que vous êtes utilisé en pratique ? Le CMA, il est très utilisé, oui. Oui, en industrie. C'est quelque chose qui est très robuste. Comment ? Quel type d'application ? Il y a des applications dans de nouveaux domaines. En énergie, ça peut être... Nous, on a travaillé sur l'optimisation de placement de puits de pétrole. Donc, ils avaient une fonction qui était donnée par un gros code... numérique, qui était capable de prédire si on place des puits de pétrole à certains endroits, combien on va extraire de pétrole. Et donc, ils voulaient optimiser maintenant la paramétrisation des puits, de plusieurs puits, pour évidemment gagner plus d'argent possible. Et donc, c'était un exemple qui était ni convexe, ni ceci. Voilà, voilà. Et relativement cher aussi, hein, c'était de l'ordre de la vingtaine de minutes pour optimiser. Il y avait même une antenne, il y avait même un. Voilà. Donc à Thales, ils ont aussi des problèmes où ils veulent utiliser CMA. En fait, c'est dans de nombreux domaines, hein, il y a des applications. Voilà. Et évidemment, la question qui suit, c'est comment... Je ne sais pas si on a le droit de poser ce genre de questions pendant une conférence de mathématiques, mais comment se compare ce que vous proposez à CMAES ? Comment se compare ça par rapport à CMAES ? Oui. C'est pour combien ça c'est... La méthode que tu as montrée est plus générale que CMA, c'est ça ? Ah oui, 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 ok. Ça, c'est un autre aspect. C'est que le IGO, quand on l'instancie avec des gaussiennes, ça donne CMA, mais on peut l'instancier avec d'autres distributions. Et après, la question, c'est la performance de simplement cette mise à jour par rapport à CMA, c'est ça la question ? Donc, ça va être simplement plus lent, en fait, hein, si on n'ajoute pas toutes ces... Enfin, si on n'ajoute pas les autres mécanismes, l'algorithme va aussi converger linéairement. Ici, ça va apprendre l'information d'ordre 2. La matrice de covariance sur une fonction convexe quadratique va apprendre l'inverse de la Hessienne. Mais ça va être plus lent que l'algorithme plus robuste qui a été mis au point depuis plusieurs années et qui est dans le code qui est utilisé dans l'industrie. Voilà. Et donc, effectivement, l'autre aspect, c'est que ce... Continuons. Oui. Au tout début, là, quand tu inventais le problème, au tout début, c'était optimiser f. Là, maintenant, après, c'est passé à trouver θ. Voilà. Voilà. Alors, comment on revient à f, c'est ça ? Ils veulent dans l'industrie, ils veulent θ. Ah, mais en fait, θ, donc une fois qu'on a optimisé, en fait, ce qu'on propose comme estimation de l'optimum, c'est le vecteur moyenne. C'est ça qui est l'estimation de l'optimum. Donc l'algorithme. Voilà. Le vecteur moyenne converge vers l'optimum, et donc dans l'industrie, l'algorithme retourne le vecteur moyenne, qui est la meilleure estimation de l'optimum. Oui, mais alors il y a un truc, parce que quand on a des modèles gaussiens, évidemment que la moyenne, c'est un truc très particulier, ça correspond
à l'estimateur sans vie ou je ne sais pas quoi, le mieux qu'on puisse imaginer. Mais si ce n'est pas un modèle de paramètres gaussien, là, ça sera, pourquoi ça serait la moyenne, le truc qu'on enverrait? Ah, ok, ok. Alors, donc il y a un autre exemple que je vais montrer. Ah, je n'ai même pas les équations. C'est l'exemple... Ah, j'ai pas mis les équations. Okay. Donc c'est PBIL ou... Donc là, le Pθ, c'est la famille des distributions de Bernoulli. Et le θI, c'est la probabilité d'échantillonner 1. Donc là, si on instancie l'algorithme IGO, on retrouve deux algorithmes qui avaient été introduits en 95 et 99. Donc PBIL et CGA pour Compact GA. Et là, il s'avère que c'est pareil, en fait. Alors, je n'ai pas d'exemple où ça ne serait pas... je n'ai pas d'exemple en tête. Donc là, c'est pareil, on retourne comme estimation de l'optimum, on va retrouver le vecteur θ. Il vaut mieux prendre des trucs pour lesquels il vaut mieux prendre la médiane, des trucs pour lesquels il vaut mieux prendre d'autres machins. Ouais. Je n'ai pas d'exemple en tête. Hein. Là, clairement, le meilleur estimateur dans CMA, c'est la moyenne. Okay. Et là, on va retrouver aussi, on va retourner le vecteur... Là, on voit, on comprend bien que tu arrives à recaler au moins trois algorithmes utilisés oui. comme cas particulier de cette méthode générale. Oui, voilà. Oui, en fait, c'est faux ce que je dis. Hein. Là, on va retourner une solution échantillonnée par Pθ. Donc ça serait typiquement un exemple. Ah, là, mais... c'est une solution ouais. échantillonnée par Pθ. Ouais. Okay. Et ça, c'est un algorithme qui est intéressant, mais... Il n'apprend pas les corrélations hein, entre les pθI, donc ces algorithmes ne sont pas trop utilisés hein, pour l'optimisation discrète. Il y avait une autre question Non ? Ok. Voilà, donc IGO permet de retrouver des algorithmes qui avaient été introduits, et en particulier d'unifier optimisation continue et optimisation discrète. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc, ce que je disais, c'est que cette théorie de l'information et Information Geometric Optimization permet de donner une image unifiée d'optimisation et optimisation discrète et optimisation continue. Ça donne un cadre théorique à des algorithmes qui existaient déjà. Donc, c'est ce qu'on a vu, l'algorithme CMA, une partie de l'algorithme CMA. Donc, ça, j'ai déjà discuté du fait que tout n'est pas expliqué dans l'algorithme CMA par ce cadre IGO, en particulier l'adaptation du step size des vecteurs d'accumulation. Et donc la question c'est, est-ce qu'on a utilisé ça, est-ce qu'on peut utiliser ça pour mettre au point de nouveaux algorithmes? Donc on a regardé ça dans un cadre optimisation à grande échelle. Donc c'est lorsqu'on a en optimisation numérique, lorsqu'on a un grand nombre de variables. Donc l'algorithme CMA, il doit apprendre de l'ordre de n carré paramètres, c'est les paramètres de la matrice de covariance. Donc, pour passer à l'échelle, en fait, on veut apprendre simplement un nombre linéaire de variables. Donc, ce qu'on a regardé, c'est un modèle réduit de la matrice de covariance et quelle est la mise à jour IGO de l'algorithme. Donc, on arrive à la calculer dans un cas relativement simple et on arrive à avoir un algorithme qu'on a testé, qui marche bien et qui n'est pas forcément la réponse. Il y a encore du travail. Hein. Je pense que IGO ne va pas nous donner... il y a encore du travail au sens où cet algorithme est juste une instance et on pense qu'on peut faire mieux et pas forcément en utilisant IGO parce que c'est très très complexe de dériver la mise à jour IGO dans des cadres de matrices avec un nombre linéaire de paramètres mais qui ne sont pas relativement triviaux. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré. On pensait que ça serait relativement facile de dériver cette mise à jour IGO parce qu'elle est facile à dériver dans le cadre CMA. Mais si on se restreint à des matrices de covariance avec un nombre linéaire de modèles, on arrive à des choses très complexes. Dériver le gradient naturel, c'est pas évident. Et une fois qu'on l'a dérivé, on a des problèmes de stabilité aussi qu'on peut résoudre, mais qui ne sont pas forcément triviaux à résoudre. Voilà. Donc, ça finit ma présentation. J'ai quelques références. Donc, la première, c'est le premier papier que j'ai déjà cité, et d'autres références essentielles à cette présentation. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Donc on a déjà eu un certain nombre de questions pendant l'exposé, mais je pense que maintenant on a du temps pour continuer la discussion. Frédéric. Alors déjà, je voulais féliciter votre laboratoire, parce que je pense que ces travaux sont... Tous les industriels qui utilisent ces techniques sont assez impressionnés. J'essaye d'en faire la publicité dans Thalès, et à chaque fois j'ai des retours en disant « c'est pas possible, là, il m'a résolu un problème à 23 paramètres en une minute, et ils avaient testé plein de techniques, donc c'est... Les premiers retours des gens qui utilisent sont assez enthousiastes. C'était des problèmes de déploiement de senseurs, et puis il y a aussi des problèmes d'optimisation de placement d'éléments sur des antennes. Dans ces cas-là, quel genre de pépita? Ils n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus, donc ils ont pris du gaussien aussi, parce que c'est CMA plus simple. Hein, donc justement, ça rejoint ma première question. Qui est Yann avait un autre thésard qui était Jérémy Bensadon, qui avait fait l'algorithme Gigo. Au début, on pense que c'est une blague de normalien, quoi. Donc G pour géodésique. Donc on peut généraliser. Theta peut vivre sur une variété. On peut faire des choses encore plus générales que des theta dans RN. Et donc justement, je pense qu'il serait intéressant, c'est d'utiliser ces algorithmes dans des problèmes d'optimisation où θ vit dans des espaces beaucoup plus abstraits, et on arriverait sans doute à faire de l'optimisation assez impressionnante. Ma question sur en géométrie de l'information, en fait, il y a deux potentiels duos. Donc il y en a un qui est la fonction caractéristique, le log de la fonction de partition. Donc ça, ça donne la matrice de Fischer. Et l'autre potentiel, c'est le hessien. Donc on peut aussi définir une métrique par le hessien de l'entropie. Et l'entropie et la fonction caractéristique sont transformées Legendre l'une de l'autre. Donc ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas... optimiser dans l'espace dual, c'est-à-dire dans le paramétrage dual de θ, et en remplaçant la matrice de Fischer par le hessien de l'entropie. Alors, ce qui aurait pour avantage de ne pas inverser la matrice, parce que ce n'est pas forcément évident d'inverser I-1 quand l'espace est très très grand. Donc là, je pense que c'est là aussi il y a des limitations, c'est quand l'espace θ est très très grand, I-1, estimer I et faire I-1, c'est pas évident. Alors je sais que Yann est en train de faire des algorithmes en deep learning où il y a cette approximation de I-1 pour avoir des bonnes choses. C'est juste dire que quand on passe de la fonction à sa duale, ouais. Le genre, on inverse les siennes, c'est ça qu'on est en train de... Ça c'est un résultat de Cruzex. En fait, le hessien, la fonction caractéristique, c'est l'inverse du hessien de l'entropie. Donc il y a deux métriques duales dans deux systèmes de coordonnées duo qui sont reliés. Les deux potentiels sont reliés par la transformée de Legendre. Donc je ne sais pas si... je ne sais pas. Ce qui serait intéressant, oui, c'est vraiment. Alors après, c'est effectivement le choix de la densité. Là, on prend la gaussienne. Donc dans le cas le plus général, ce serait à chaque fois intéressant de prendre la densité à maximum d'entropie. Et quand elle existe, ou quand on peut la définir.
Donc ça, c'était un peu de pub pour Souriau, parce que Souriau a défini la densité à maximum d'entropie sur une variété homogène. Mais justement, en mixant les approches, on peut vraiment travailler dans des espaces très, très abstraits et résoudre sans doute des problèmes théoriques importants. Donc je ne sais pas si, dans votre laboratoire, vous avez travaillé sur des problématiques d'optimisation où θ vivait dans des espaces un peu plus... structuré. Donc, notre expérience avec des thétas différents, c'est par exemple, si, même sur des gaussiennes, si on se restreint avec des matrices de covariance de faible, matrice identité plus matrice de faible rang, ça peut devenir relativement complexe justement de calculer ce gradient naturel et beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait au départ en fait. Et si on n'a pas ce calcul, on ne peut pas avoir un algorithme qui va être intéressant parce que cette matrice, on pourrait l'estimer, mais c'est beaucoup trop coûteux en fait. Hein. L'espace des θ est beaucoup trop large. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça au début, en fait, hein, dans cette approche, quand je disais ils n'avaient pas forcément le bon critère par le rang. Ils n'avaient pas non plus remarqué qu'on pouvait avoir quelque chose d'explicite pour calculer le gradient naturel. Donc ils avaient carrément essayé d'estimer par Monte Carlo la matrice de Fischer. Et ça donnait un algorithme qui n'était pas stable, qui ne marchait pas, qui n'était pas... Mais c'était les premières approches. Donc, mon expérience, c'est que... Donc, on n'a pas essayé beaucoup de familles pθ, mais ça peut devenir relativement complexe, même pour des choses qui ont l'air relativement simples, en fait. Et donc, je ne peux pas... Voilà, je ne sais pas. Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est pour l'optimisation discrète, où ça rejoint la question du choix de... Là, on peut tout calculer, on appelle l'algorithme, c'est explicite, il tombe relativement bien. Et justement, en prenant un pθ plus riche, on arrive à modéliser des dépendances plus complexes dans l'espace de recherche. Plus riche, tu voulais dire une famille de θ, c'est le plus compliqué. Et sur lesquels on peut encore estimer la matrice de fichage et l'inverse. Okay, donc, en fait, c'est quelque chose que sur l'ensemble que j'ai pas, qui doit être évident, mais que j'ai pas. Il y a un autre domaine dans lequel on part avec l'idée de trouver l'optimum et on se termine avec on rend quelque chose qui est probabiliste, c'est le MCMC. Est-ce que la démarche MCMC est quelque part reliée ou peut s'injecter dans cette question-là? Oui, non. Donc là, l'idée, c'est que plutôt que de balader un point dans l'espace de recherche, on balade une gaussienne ou une distribution dans l'espace de recherche, il y a plein d'avantages. Par exemple, en présence de fluctuations de rugosité ou quoi que ce soit. On pourrait interpréter ce qu'on trouve à la fin comme une croyance bayésienne postérieure, par exemple, sur où sont les bonnes valeurs de la fonction f. Bon, sauf que MCMC, c'est des distributions P qui sont justement complètement intordables, impossibles à écrire, tandis que là, ça reste des familles paramétriques relativement simples qui sont découpées des tags. Si c'est F qui est vraiment compliqué. À propos de ce lien avec MCMC, donc typiquement à MCMC, on veut converger vers une distribution qu'on cherche à estimer stable. Et nous, là, on converge vers un Dirac. Hein, donc moi, j'ai travaillé là-dessus. En fait, les MCMC ou la théorie des chaînes de Markov est utile quand on veut montrer, quand on veut montrer la convergence de ce type d'algorithme. En fait, on a un MCMC. Ce qu'on fait, c'est qu'on va normaliser... mettons qu'ici on est simplement un step size, juste un facteur d'échelle à la place d'une matrice de covariance. Ce qu'on peut montrer, c'est que vecteur moyenne sur sigma t, c'est une chaîne de Markov. Donc ça définit sous-jacent, il y a un MCMC, qui elle est candidate à être stable. Et on peut montrer que si on analyse la stabilité avec cette théorie des chaînes de Markov, alors on retrouve la convergence de l'algorithme, la convergence linéaire en fait. Donc il y a un lien avec les MCMC, je dirais que le lien c'est plus via regarder ici une chaîne normalisée, donc M divisé par sigma. Dans le cas de CMA, il faudrait normaliser M et normaliser la matrice de covariance aussi. Et on a un MCMC, et si on peut, c'est très utile théoriquement pour montrer les convergences linéaires, de regarder la stabilité, et typiquement on utilise tous les outils de MCMC. On peut utiliser les outils qui sont... Ouais. Main 3D, les fonctions... Voilà. Voilà, ouais.
Et ça, c'est, voilà, c'est très utile. On s'aperçoit qu'il faut malheureusement développer des outils spécifiques parce que le fait que ça soit à base de comparaison, ça rend les modèles assez complexes, hein, puisque la fonction de transition, elle n'est pas régulière. Donc on travaille aussi là-dessus. Voilà, le MCMT, c'est le bon cadre pour montrer la cohérence. Mais les compagnies donnent des estimations désastreuses d'habitude, hyper conservatives. Oui, alors, on n'en est pas là. Hein. Pour le moment, on est déjà content d'essayer de montrer que la chaîne est stable. Et je sais, hein, je discutais avec Eric Moline, il me dit « Ah, c'est des mauvaises estimations ». Mais on est déjà content, nous, de réussir à montrer un drift, c'est assez complexe. Donc je pense que ça sera la deuxième étape, une fois qu'on aura démontré ça, d'améliorer les estimations. Oui, merci pour ce bel exposé. Donc j'ai une question en fait sur le domaine oméga. Donc on peut supposer, puisqu'on est en black box, si jamais je donne X qui n'appartient pas à oméga, le programme crash. Pardon, si je donne X qui n'appartient pas à oméga et que j'appelle la black box, on peut supposer que le programme crash. Ouais. Et je me demande, avec le gradient ou le gradient naturel, puisqu'on a un learning rate, un step size, est-ce que ce problème apparaît ou pas? Est-ce que ce problème, pardon? Apparaît ou pas? Est-ce qu'on peut sortir du domaine? Parce que justement, on n'a pas pris un gradient riemannien, exp. On prend, entre guillemets, un euclidien amélioré, quoi. Mais on peut avoir une borne sur delta t pour ne pas sortir du domaine. Typiquement, sortir du domaine, on ne serait plus dans l'ensemble des matrices de covariance, ce genre de choses. Il y a des domaines complexes dans l'industrie. Donc c'est juste une question de curiosité. Donc je me demandais justement si vous aviez ce problème avec les black box optimisation de temps en temps, que ça crache parce qu'on n'a pas appelé avec le... Mais typiquement, c'est ce qu'on appelle l'optimisation sous contrainte, en fait. Donc le X est plus dans le domaine faisable. Donc là, c'est effectivement une question importante, comment faire, et ce n'est pas encore forcément très bien résolu, comment prendre en compte les contraintes ou le fait que le X crache. Et voilà, donc typiquement, il faut... Ma deuxième question, en fait, aussi, c'est que j'ai l'impression que la théorie est très jolie, et au niveau de l'implémentation, on parle un peu de Monte Carlo. Donc là, on a le côté probabiliste avec des garanties, peut-être avec des intervalles de confiance ou des choses comme ça, mais on n'est plus dans des garanties déterministes. Donc la question, ça pose problème. Parce qu'on a un côté expérimental qui devient, par rapport à la théorie, par rapport au ego flow et ego pratique, qui peut être très différent. Donc on n'a pas une garantie de convergence, c'est ça? C'est ma question. C'est la discrépance entre la théorie et la pratique, les algorithmes pratiques et la théorie. Oui, il y a une discrépance, hein, au sens où on ne sait pas... Pour CMA, typiquement, on n'a toujours pas de preuve de convergence linéaire, parce que c'est complexe. On a des preuves dans le cas d'algorithmes simplifiés. Et oui, effectivement, on n'est pas encore théoriquement capable, par exemple, de prouver une convergence pour les algorithmes qui sont utilisés en pratique. Donc il y a un écart. Après... D'accord. Je crois que c'est Powell qui a... Ouais, bon. Merci beaucoup pour cet exposé. Je pense que c'est l'une des grandes humiliations de la science actuelle. Elle est incapable d'avoir des bonnes estimations de convergence sur les algorithmes probabilistes. Je pense que vous en pensez. Le gain entre théorie et pratique n'est pas dans le sens qu'on attend d'après la question. En fait, parce que la question du jeu de la pratique, il y a des probas, donc il y a une chance que ça ne marche pas en pratique. En pratique, c'est contre. Et en pratique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en pratique, marche très bien, et la théorie ne suit pas. Mais, même sur une méthode déterministe, hein, comme une méthode de Casey-Newton de BFGS, c'est Powell qui disait ça lui-même. Il disait, lui, il ne mettait pas tant d'importance que ça dans la théorie. Il disait, mais BFGS, on l'utilise sur des fonctions, ça minimise des fonctions, où on n'est pas capable de dire quelque chose théoriquement. Donc même sur des fonctions, des algorithmes où on a plus de garanties, et ils sont déterministes, on va les utiliser sur des fonctions où on n'est pas capable de montrer quelque chose théoriquement. Donc voilà, pour relativiser un peu. Ok. Merci beaucoup. Donc on va remercier encore Anne Auger pour son exposé.